Bonjour Damien, du blog Le Petit Journal de Chef Damien et organisateur du Salon du Blog Culinaire. Très très simple aujourd'hui, une cassolette d'escargot, écrasée de pommes de terre et jus vert. On a des produits de Picardie puisqu'on a un très très bon producteur d'escargot en Picardie qui fait du Bourgogne et il est cuisiné sous vide et on a vraiment un produit très très sympa. J'ai mis des pommes de terre, des gousses d'ail et une branche de thym et un tout petit peu de sel. Cuisson jusqu'à ce que la pomme de terre s'écrase, d'accord? Parce qu'une pomme de terre, c'est vraiment un légume qu'il faut trop cuire à la limite pour que ça s'écrase bien. La crème verte, crème fraîche, fleur de sel, tour de poivre du moulin, voilà. Et on va maintenant porter à ébullition. Ma crème est à ébullition, je vais mettre toutes mes herbes de saison. Alors là, vous mettez du cresson, vous mettez du persil, d'accord? 5 secondes d'ébullition. On la verse dans le blender et on y va. Voilà, ma crème est bien, bien verte. Voilà, c'est cuit. On va l'écraser avec une fourchette. Voilà, pour faire une belle écrasée. Les escargots, on les passe juste au beurre. Voilà. Juste pour les réchauffer. Il ne me reste plus qu'à terminer mon assiette. Je vais disposer au fond de chaque assiette un tout petit peu d'écrasé de pommes de terre. On va mettre quelques escargots. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à goûter. Voilà. Et là. C'est pas mal du tout parce que c'est un petit peu bien crémeux et à la fois on a l'escargot qui ressort bien. On est sur quelque chose de notion d'herbacée et c'est vraiment très très sympa.